Bonjour, je suis Michael Escoffier, l'auteur de Pierre, Feuille, Ciseaux. Alors, c'est ma première collaboration avec la super équipe du Père Castor. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Et c'est un livre qui, au début, ne s'appelait pas Pierre, Feuille, Ciseaux, parce que figurez-vous que moi, quand j'étais enfant, on ne jouait pas à ça. Nous, on jouait à papier, caillou, ciseaux. Puis chaque région, comme ça, a ses propres termes. Par exemple, au Québec, d'où vient l'illustratrice Karine Bélanger, c'est roche, papier, ciseaux. Bon, mais les règles sont les mêmes. Et donc, c'est un livre dans lequel l'enfant va pouvoir s'amuser à pierre, feuille, ciseaux avec le personnage principal qui est une petite souris. Et alors, pour la petite histoire, moi j'aime beaucoup passer dans les classes et puis présenter mes projets en cours. Et donc, j'ai lu ce projet-là avant qu'il ne sorte à des classes. Alors, je le lis une première fois, et puis les enfants jouent le jeu, hein, ils essayent de gagner contre la souris. Et puis, je le lis une deuxième fois. Et alors là, ce qui est incroyable, c'est que les enfants n'ont pas enregistré ce que la souris avait choisi, et ils se disent qu'elle va choisir d'autres choses. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je relis le livre, ben, les enfants pensent que la souris, elle improvise et puis qu'elle choisit au hasard. Voilà, donc c'est assez amusant et assez inattendu comme réaction. Moi, j'espère que vous aurez du plaisir à découvrir ce livre et puis à jouer avec notre petite souris. Merci à vous, puis à très bientôt.